Hippocrate déclara que nous sommes ce que nous mangeons. Effectivement, les aliments que nous mangeons se transforment dans notre organisme. Nous puisons en eux les vitamines, les minéraux, nous puisons en fait tout ce que notre organisme a besoin pour bien fonctionner. Mais des fois, il y a des aliments en fait que nous privilégions qui ne sont pas du tout bons pour la santé de notre peau et aussi pour la santé de notre organisme. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du Coca-Cola, cette fameuse boisson prisée par pas mal de personnes. Donc bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bintou, je suis l'experte de l'épiderme. J'ai créé cette chaîne pour te donner pas mal de conseils afin de prendre mieux soin de ta peau et surtout que tu privilégies les actifs antioxydants. Alors pourquoi le Coca-Cola? Pourquoi? Je me suis toujours posé cette question parce que lors de mes consultations, j'ai rencontré pas mal de femmes, mais énormément de femmes qui buvaient cette boisson. Il y en a même qui buvaient au moins plus d'un litre dans la journée. Des personnes qui étaient accros, qui sont toujours d'ailleurs accros à cette boisson. Je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi en fait? Pourquoi il y a autant de personnes qui adorent cette boisson? C'est limite, entre guillemets, devient une drogue en fait. Elles ne peuvent pas s'en passer. Et la majorité de ces femmes que j'ai rencontrées avaient toutes des problèmes de peau. Soit de l'acné, soit des problèmes d'hyperpigmentation. Donc, j'en ai conclu qu'en fait, le coca était aussi responsable de l'état de leur peau. Si vous avez une peau grasse, une peau acnéique, il y a certains aliments que vous devez complètement diminuer, voire même supprimer. Supprimer. Parce que ces aliments ne vont que aggraver l'état de votre peau. Par exemple, le Coca-Cola. Si vous adorez le Coca-Cola, c'est une boisson auquel vous ne pouvez pas vous en passer. Cette boisson a une forte concentration de sucre. Si vous ne le savez pas, le sucre est une toxine qui accélère la dégradation de vos cellules. Le sucre est une toxine qui augmente la sécrétion de sébum au niveau de votre peau. Il va vraiment changer, en plus, va vraiment augmenter le sébum et aussi changer la qualité de votre sébum. Il va l'oxyder. Donc, une peau plus grasse, une peau oxydée, c'est une peau où les bactéries vont adorer se propager. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez du mal à vous débarrasser de vos boutons. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des points noirs, vous allez avoir les pores dilatés et que vous allez avoir une peau très, très luisante. Alors si vous adorez le Coca-Cola et que vous avez une peau à imperfection, je pense qu'il serait judicieux, mais vraiment judicieux, de diminuer cette consommation de sucre. Et d'après certaines analyses, le coca même serait même responsable, surtout, bon, je dis le coca aujourd'hui, c'est le coca, mais je parle en général de toutes les boissons, les sodas, ok? Qui ont une forte concentration de sucre. Donc, ces boissons accéléreraient même le vieillissement prématuré de votre peau. Donc, si vous êtes une peau blanche, vous allez avoir un relâchement cutané. Vous allez commencer à avoir des rides d'expression. Votre peau va manquer d'éclat. Si vous êtes de type phototype 3 à 6,
métissée, peau indienne, peau maghrébine, voilà, chabine, à la plus foncée que vous consommez énormément de Coca-Cola, vous pouvez constater en plus des imperfections, un relâchement au niveau de votre peau, un manque de fermeté parce que le sucre, un excès de sucre agit sur le collagène. Et oui, ça s'attaque au collagène, ça s'attaque à l'élastine. Donc du coup, votre peau perd sa fermeté, perd son éclat. Et vous allez avoir beaucoup plus d'hyperpigmentation. Bien sûr, il y a aussi le relâchement cutané, une peau moins ferme parce que le collagène, en fait, perd en fait sa densité, perd sa force pour vous protéger à cause de ce surplus de toxines qui va dégrader sa fonction protectrice, sa fonction d'hydratation, voilà, sa fonction de bon support. Quand vous avez un bon collagène, votre peau est beaucoup plus jeune, plus longtemps. Et le coca agresse, dégrade votre collagène. Donc, je sais que cette information ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est une réalité. Un verre de coca, je pense qu'il y a au moins 5 sucres, voire plus. Vous vous rendez compte? Alors, si vous buvez plus d'une canette par jour, ou si, même si vous buvez une canette tous les jours, c'est énorme, c'est énorme. L'âge biologique de votre peau va s'accélérer. Même si vous avez 35 ans, bah, vous allez paraître, je sais pas, votre peau va avoir 10 ans de plus. Donc, faites attention, il est super important de boire suffisamment. Buvez de l'eau, remplacez votre coca par une autre boisson. Et si vous constatez que vous adorez le coca et que vous êtes une adepte de sucre, je pense que le problème peut être plus que d'ordre. Enfin, je pense que le problème peut être lié à un problème émotionnel. Soit vous êtes une personne très stressée, très émotive, très sensible, soit, en tout cas, il s'est passé quelque chose, un choc émotionnel qui a fait que vous avez besoin de boire énormément de coca, parce que le coca, c'est le doudou. Le coca, c'est le sucre, c'est le doudou. D'accord? Quand on ne va pas bien, c'est plus facile de prendre un gâteau, c'est plus facile de prendre une boisson très sucrée, ça me fait rappeler à l'enfance, la récompense, et tout ça, c'est ça montre qu'il y a eu quelque chose en fait, un choc ou quelque chose d'émotif en tout cas, qui est lié, qui fait que vous buvez énormément cette boisson, donc il serait temps d'arrêter. Et pourquoi pas essayer de comprendre pourquoi vous êtes addict à cette boisson. Alors j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez prendre surtout des bonnes habitudes si vous adorez le coca. Même si c'est du light, hein, c'est la même chose. Ça ne va rien changer. Changez cette boisson. Vraiment. Vous aurez... En une semaine, vous allez voir une amélioration, que ce soit au niveau de votre sébum, vous allez moins briller, vous allez avoir un teint moins terne, vous allez moins bronzer aussi, vous allez avoir une peau beaucoup plus ferme. Mais avant d'arriver à ce résultat-là, il va falloir aussi nettoyer ce surplus de sucre que vous avez consommé. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner, vous êtes un peu perdu dans les choix des produits cosmétiques ou vous avez des problèmes de peau qui datent de très longtemps, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un lien ci-dessous. Quant à moi, je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Et là, je parlerai du café. Du café.
bientôt.